Salut mes très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui vous présenter une superbe application qui vous permettra de connaître le nom du propriétaire d'un numéro. Par exemple, si quelqu'un passe son temps à vous appeler ou à vous biper sur votre téléphone ou à vous envoyer des messages sur WhatsApp, si vous ne savez pas c'est qui, avec cette application, vous pouvez savoir le nom de la personne et aussi où habite cette personne. Avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, appuyez là pour aimer la vidéo. Et pour ceux qui sont là pour la première fois sur ma chaîne, appuyez là pour vous abonner. Ensuite, activez la cloche. Comme ça. Et venez jusqu'en bas. Et mettez un commentaire du genre « Merci » ou le nom de votre pays. Cela m'encourage à continuer de vous faire plaisir avec de bonnes vidéos. Merci. Pour commencer, nous allons télécharger l'application. Vous allez dans votre Play Store et vous cherchez « Showcaller ». Comme ça, vous faites chercher. C'est cette application, vous faites installer. Après installation de l'application, vous faites ouvrir. Obtenir et commencer. Je l'ai. Autoriser. Autoriser. Encore autoriser, aller aux paramètres, accepter ici en cochant. Là, nous sommes dans l'application et dès l'ouverture de l'application, elle vous signalera des numéros spam s'il y en a dans votre téléphone. Si vous avez reçu, par exemple, des appels de numéros spam, l'application va vous signaler que ces numéros-là sont des numéros spam. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez les bloquer pour qu'ils ne puissent plus vous appeler prochainement. Par exemple, sur mon écran, vous voyez là, l'application me signale que ce numéro-là plus ce numéro sont des numéros spam. Les numéros spam sont les genres de numéros qui vous appellent de l'extérieur, souvent même de votre pays. Ils vous appellent pour vous escroquer ou encore pour de la publicité. Donc, ce sont des gens qui passent leur journée à appeler des gens. Donc, cette application peut les détecter et vous signaler. Maintenant, si vous voulez les bloquer, il suffit de cliquer là. Vous voyez, c'est déjà coché. Un numéro, deux numéros. Il suffit de cliquer là. Et ces numéros-là seront bloqués. Si vous regardez en bas de l'application, vous verrez trois options. Il y a appel, contact et bloc. Si vous allez par exemple dans bloc, ensuite ma liste de blocs, vous verrez les deux numéros que nous avons, les deux numéros spam que nous avons bloqués. Si par exemple vous voulez ajouter un numéro pour bloquer, vous cliquez là. Ensuite, entre le numéro, vous mettez le nom de la personne et le numéro. Ensuite, vous faites enregistrer. Ce numéro sera ajouté ici comme un numéro bloqué. Comme ça, la personne ne pourra plus vous appeler. Si on va par exemple dans appel, ici, vous aurez tous vos appels émis, reçus, etc. Donc ici, par exemple, si vous aviez reçu des appels manqués d'un numéro que vous ne connaissez pas le nom du propriétaire, l'application vous sortira automatiquement le nom du propriétaire de ce numéro. Par exemple, chez moi ici, ce numéro-là, je connais la personne, mais je ne connaissais pas son nom. On s'appelait seulement au téléphone. Mais dès téléchargement de l'application, dès que j'ai installé l'application, l'application m'a sorti son nom. Et ce numéro aussi que vous voyez là, c'est quelqu'un qui m'a appelé avant-hier. Et moi, je ne connais pas cette personne-là. Mais après installation de l'application, elle m'a sorti le nom de cette personne, son pays plus sa ville. Quand vous cliquez par exemple sur le profil de la personne, vous verrez là une option Google Maps qui vous permettra de savoir d'où vient cette personne. Quand vous cliquez dessus, vous serez dirigé sur Google Maps. Et là, vous pouvez savoir où cette personne est restée pour vous appeler. Si vous avez par exemple un numéro que vous voulez connaître le nom du propriétaire de ce numéro, vous ouvrez l'application, vous venez ici, vous écrivez le numéro ici, ensuite, vous faites chercher, l'application vous sortira le numéro, le nom, pardon, du propriétaire de ce numéro-là. Par exemple, moi, dans mon WhatsApp, j'ai reçu un message d'une personne que je ne connais pas. Donc, j'ai copié son numéro, je viens ici, je colle et je fais chercher. Voilà, automatiquement, l'application me sort son nom et son pays de résidence. Ici, nous sommes toujours dans Appel. Si vous défilez, vous verrez des profils rouges.
Ces profils rouges-là sont des profils des numéros spam. Par exemple, ce numéro-là, l'application me montre que c'est un numéro spam. Si je défile encore, je verrai un autre numéro encore qui m'appelle de l'Angleterre. C'est un numéro spam. Donc, tout ce que vous voyez comme rouge ici sont des numéros spam et vous pouvez les bloquer. Il suffit de cliquer sur le profil. Vous venez là et vous faites « Bloc ». Encore « Bloc ». Et le numéro sera bloqué. Encore une chose importante à savoir, c'est pas à chaque fois que l'application arrive à connaître le nom du propriétaire du numéro. Donc, ça arrive souvent que l'application n'arrive pas à trouver le nom du propriétaire. Donc, c'est tout. À la prochaine. Bye bye.